Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'île des morts, Wendy, Amber, Simon et Adam ont accosté sur une île et entreprennent d'établir un campement. Nous reprenons alors qu'ils se regroupent à l'orée de la jungle et qu'une pluie drue tombe sur l'île. Bonne écoute de l'île des morts, épisode 3. Donc en fait, vous êtes... Soit t'es affairé. Vous trois, vous êtes réunis avec le petit vieux qui est là. Moi, j'ai froid, je me plains en fait. Ouais. Je commence à avoir froid. Y a pas des trucs, les couvertures toutes dorées là. Non, essaye de récupérer du bois du bois sec. J'essaie de trouver du bois sec. Y a pas de bois sec. Quand tu dis ça, y a Henri qui prend sa veste en fait et qui te la donne. Merci Henri. Il sourit. Je me suis pas présenté, moi je m'appelle Adam Golin. Je suis un Henry Wilkins. Et tu vois que quand il te sourit, en fait, il a un peu de sang dans sa bouche. Vous avez dû vous blesser à la bouche. Merci. Et Amber, tu fais quoi? Moi je me mets à pleurer. Moi je craque encore. Tu craques. Pour moi, on est foutu. Il y a pas d'eau, il y a pas à manger. Tu le dis verbalement ou c'est juste Je me mets à pleurer. J'ai mal. Je suis toute moche. Je suis pas dans mon élément. Je sais pas où est Jennifer, si elle est encore en vie. Je me dis que c'est de la merde. Je craque quoi. J'ai faim, j'ai soif, j'ai froid. J'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. J'ai peur pour Henri, j'ai peur pour nous. Enfin, je me mets vraiment à pleurer parce que j'ai vraiment l'impression qu'on ça va être de pire en pire quoi. Alors toi, tu es toujours affairé. Adam, tu réagis vu d'une façon. Moi, je me sens pas très bien. Je sais pas trop quoi faire parce que c'est une adulte pour moi. Donc les adultes, ils sont toujours forts. Ils montrent pas trop leurs sentiments. En tout cas, mon père et ma mère, ils étaient comme ça. Donc je suis attristé, mais je sais pas trop ce qu'il faut faire en fait. C'est une adulte, mais elle est jeune. Hein. J'ai 19 ans. Ouais, mais bon, elle a l'air... Enfin, je pense qu'elle est habillée, maquillée, et elle paraît sûrement beaucoup plus vieille. Donc pour moi, c'est une femme, quoi. Je sais pas comment on fait pour aider les femmes. Je peux peut-être m'approcher, lui taper sur l'épaule, mais j'ai pas de sœur, je suis fils unique. Donc j'ai pas forcément cette relation, je pense. Et je sais pas exactement ce qu'il faut faire pour réconforter. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Du coup, j'essaie de voir si... S'il y a quelqu'un autour pour le regarder, en fait, l'appeler de mes yeux, toi, pour lui dire. Tu vois Wendy qui arrive sous la pluie battante, en fait, qui arrive, qui semble vous chercher un peu du regard, et en fait, elle s'avance vers vous lentement, en fait, elle marche vers là où vous êtes. Du coup, je la regarde. Elle n'est pas encore arrivée, elle arrive sur le long de la plage. Je te fais signe, Adam, je te montre les rations et je te montre Amber. Vous voulez manger quelque chose? C'est gentil, j'aurais préféré un verre de vodka, mais je vais prendre. Oui, d'accord. Je prends une ration et une bouteille d'eau et je lui donne. Et je m'en prends une aussi pour moi, parce que je commence à avoir faim et soif. Et moi, en voyant Wendy arriver au loin, elle ne m'inspire pas confiance et j'ai pas envie de me montrer vulnérable face à elle, donc je me sèche rapidement mes larmes. Je pense qu'elle va voir que je suis complètement rougie, mais j'ai pas envie qu'elle me voie pleurer. Wendy, tu arrives lentement sous la pluie torrentielle, maintenant qu'on peut dire comme ça. Tu t'abrites un peu comme tu... Je m'en fous de la pluie, en fait. J'avance doucement parce que... alors qu'en fait, j'avais un objectif. Et après, je me rends... la pression est un peu redescendue. Et je me rends compte que... Voilà, il y a des cadavres qui vont être rejetés par la mer sur la plage, quoi. Donc tu aperçois. Il y a un ascenseur émotionnel, si tu veux, en fait. Donc je me dirige vers eux un peu de façon robotisée, quoi, tu vois. Il y a Simon qui est en train de bricoler un abri. Il y a Amber qui est assise par terre avec Adam à côté. Et ils sont en train de manger et de boire. Et il y a Adam, il a visiblement la veste de Henri. Et Henri se tient debout comme ça et un peu hagard. Tu leur prêtes attention ou pas du tout? En fait, comme je les vois boire et manger, tout d'un coup, je me dis c'est vrai que j'ai rien mangé, j'ai rien bu depuis tout à l'heure. Et je crois que je cherche du regard la valise. La valise ouverte. Et je prends une bouteille d'eau. Et à manger aussi ou pas?
Non, d'abord, je bois. D'accord. Je précise que moi, toutes les bouteilles vides, je suis allée les planter un peu dans le sable, sous la pluie, justement, okay. pour les recharger en eau, parce que j'ai d'accord. conscience qu'au rythme où on boit, on va plus rien avoir. T'as conscience, Simon, quoi, que c'est complètement désespéré, son truc. Faudrait qu'elle mette un espèce d'énorme entonnoir pour arriver à des fois, avec... Tu les regardes pas plus que ça, tu prends ta bouteille d'eau et tout à déjà, je bois, je me dis que c'est important de m'hydrater, je pense que j'ai pas forcément tout de suite conscience de la faim. Éventuellement, je peux demander. J'ai bien vu que Simon il m'appréciait pas trop, mais je me laisse pas démonter. Je m'approche de lui et je lui dis bah, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, que j'aille chercher des choses, parce que je vois qu'il fait un abri et je trouve que c'est une super idée, voilà, dans les premières choses à faire. Bah écoutez, si vous pouvez me trouver une grande branche et d'autres feuilles, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, puis je te demande le détail, genre feuilles, grande comment, machin, tout ça. Et je lui dis, bah, je vais peut-être avoir besoin du couteau pour couper ça. Ouais, y a pas de problème. Voilà. Du coup, j'observe moi aussi Wendy un petit peu, parce que Simon m'a demandé de la surveiller. Donc je regarde, j'arrête la tête aux pieds déjà. Bah, parce que j'ai pas forcément prêté, je t'avoue que personnellement. Elle a son tailleur, son machin, d'accord. et elle a une paire de chaussures. Et qu'elle n'avait pas avant. Voilà, sinon tu vois ce que tu vois là. D'accord. Du coup, je regarde les pieds de tout le monde. Bon, on a tous des. On a tous des chaussures, ouais. Sauf moi. Moi j'ai des petites. Ouais. Des petites tongs. T'as réussi à les garder. Et Henri aussi. Ils sont moulés à sa forme de pied. Henri aussi. Je vais bien avec des scratchs alors. Henri, il a des Mephisto, c'est des bonnes chaussures de. Et Wendy, elle est. Moi, j'ai l'impression que c'est une professeure, ça pourrait être ça, je sais pas, je regarde un peu. Elle est. Est-ce qu'il y a un indice, un bijou, quelque chose qui pourrait me faire penser au métier qu'elle pourrait exercer? Le métier, tu sais pas. Par contre, elle a de l'assurance, comme ta mère. Ouais, j'ai vu qu'effectivement. Elle te fait penser à ta mère, en fait. Ouais. Elle gère, elle sait. Tu sais qu'elle va gérer, en fait. C'est celle qui te. Bon, Simon, il a l'air débrouillard, mais elle te met en confiance, te rassure, elle est rassurante, quoi. Au sens, voilà. C'est une leader, elle a du charisme, voilà. C'est d'accord, ça. Comme ma mère. Ouais, elle doit être. De pas rigoler tout le temps. J'ai de faire attention à ce que je dis. Hein. Et voilà ce que tu vois. D'accord. Okay. Tu fais quelque chose, Amber? Adam, il est toujours à côté de moi ou pas? Il est tourné, en fait, il regarde Wendy. J'essaye de lui parler, je dis dis-moi un petit. C'est quoi ton prénom déjà? C'est Adam Golin. Adam, pourquoi t'étais tout seul dans l'avion? C'est parce que mon père, mes parents sont divorcés. Et ils ont tous les deux des boulots assez importants. Et donc j'étais en voyage avec mon père à Bangkok. Et là, je retournais à New York pour rejoindre ma mère. Et il te laisse prendre l'avion tout seul? Ouais, je suis un grand. Ouais, c'est vrai. Une hôtesse de l'air qui prenait soin de moi. Ouais, du coup, ça me redonne un peu d'énergie, le fait que, voilà, même dans ces conditions, un petit garçon de 12 ans soit comme ça, motivé, de se dire qu'il est grand, que assez positif. Donc voilà, ça me redonne l'énergie que j'avais perdue un quart d'heure auparavant, quoi. Et toi, tu fais quoi dans pourquoi tu prends l'avion? Bah moi j'étais en vacances avec une copine, mais je sais pas où elle est, ma copine là. Ah. Du coup je dis plus rien parce que j'ai l'impression d'avoir dit une bêtise, donc je sais pas trop comment rebondir, donc je parle plus. Ok. Wendy, t'as compris ce que Simon t'avait demandé, t'as peut-être pas envie d'en rentrer trop dans la forêt, parce qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi trouver le long de la lisière, j'observe en fait. J'observe beaucoup pour essayer de trouver. Donc tu suis un peu la lisière de la forêt, tu t'éloignes d'une vingtaine de mètres, histoire de trouver ce qu'il faut, quoi. Pensant, ça tombe dru sur la plage, ça fait comme un rideau, en fait. Vraiment, hein, on voit pas très loin. Et d'ailleurs, quand tu t'es éloigné, tu vois qu'ils sont là-bas, mais tu les vois pas plus que ça, en fait. Donc Adam, toi, tu la perds de vue, en fait, quand elle s'éloigne pour... Bah moi je commence à me plaindre parce que donc j'ai quand même froid. En plus on commence à ne plus rien voir. Je suppose que le temps commence à s'assombrir peut-être. Oui. Et il faudrait peut-être faire un feu, non? Je sais pas comment on peut faire ça. Bah, alors, moi, je sais pas faire. Amber, Simon qui est en train de bricoler et Henri qui est là et Henri. Bah il s'en occupera après. T'en fais pas. Ah d'accord. Il faut prendre des brindilles, des trucs comme ça. J'ai cru comprendre que c'était particulier. À moins que
J'ai pas de briquet. Bah viens, si tu veux, on cherche du bois sec si ouais, on en trouve. D'accord. Donc il va, il on part avec toi. À tout à l'heure. Ouais, bah je vais surveiller la valise. Ils partent, tu pars de l'autre côté en fait, à l'opposé. D'accord, ok. Avec Henri, tu continues à bricoler tes choses et toi tu restes. Moi je reste à proximité de la valise. Je me dis que là c'est pas utile que je me déplace, que je aggrave mon problème au pied. Ok. Je vois pas l'intérêt. Puis je pense que j'en continue de les entendre, Adam et Henri. Ils partent pas très loin. Ouais, mais t'entends. Ouais. Le bruit de la ah, moi je bouge pas, je me dis il y a un abri qui va être construit, ils vont revenir, je bouge pas. Ok. Bah, Simon et Amber, vous restez là, ou quoi, vous êtes occupés. Vous ramassez, alors Henri il se baisse, tu vois, il faut prendre du bois assez sec, sinon ça va être compliqué. Ah, donc il prend des petits morceaux comme ça. Et puis si tu veux, toi tu peux prendre, et si tu vois des. Sur les troncs des morceaux d'écorce que tu peux arracher comme ça un petit peu, bah, ça peut être bien pour faire débuter le feu. D'accord. Voilà, il fait okay, ça. Donc tu vous avancez comme ça, mètre après mètre. Tu essaies de faire ton petit tas là dans tes mains en fait, dans ta poche quoi. Je sais pas, tu débrouilles, tu essaies de faire ça. Et puis vous avancez comme ça là, tranquillement. Wendy, tu vas un peu loin avec t'as le couteau, t'as récupéré le couteau, tu coupes des grandes feuilles comme t'as demandé Simon. Et tu aperçois sur la plage qui te regarde à dizaines de mètres sous l'eau, sous la pluie qui tombe, une jeune fille thaïlandaise. Tu la reconnais. Sur la plage. J'ai l'impression que c'est vrai. Elle te regarde. Tu doutes, parce que pour toi, elle est morte. J'arrête ce que je fais, je la regarde fixement. Et puis, je fais... Et je reviens à ce que je fais, je me demande... Il faut pas trop que je coupe, parce qu'il faut que je puisse tout ramener. Voilà, je me... Ok, tu te retournes à ton... Et quand tu la regardes dans cette direction, elle n'y est plus. Et donc toi, tu continues avec... Henri, et puis à un moment tu te retournes, il est appuyé comme ça sur un arbre. Je commence à lui prendre le bras. Henri ? Henri, ça va ? Et en fait il lève les yeux comme ça et il s'essuie. Et en fait il a plein de sang sur la main, sur la bouche comme ça. Et Henri, il faut rentrer ! Il se tient un peu le ventre. Henri, vite, on rentre. Tu as raison. Et puis. Vite, faut rentrer ! Là, je commence un peu à paniquer. Ouais. Je garde quand même un peu de bois, mais j'essaie de l'obliger à se dépêcher parce que je veux qu'il y ait un autre adulte. À ce moment-là, vous entendez tous une sirène. Qui provient de l'intérieur de la jungle ou plutôt qui de la plage ? Qui semble provenir de l'intérieur de l'île, effectivement. Vous allez tous faire un test de garder le contrôle. Tu te ressens comment, Amber ? Eh ben, j'ai une once d'espoir, là. Je me dis, il y a âmes qui vivent sur cette île, ça me rassure. D'accord. Je me dis que c'est forcément une machine activée par un humain qui vient de lancer l'alarme. D'accord. Donc... ton but, c'est trouver cette alarme, en fait. D'identifier d'où vient l'alarme pour qu'on puisse être sauvé, quoi. D'accord. Adam ? Bah, c'est un peu pareil. Moi, je suis surpris d'entendre une sirène comme ça, maintenant. Et donc, ça me motive encore plus à dire à Henri de se dépêcher de rejoindre le groupe. D'accord. Pour aller vers la sirène. S'il y a une sirène, c'est forcément il y a une construction humaine, il y a peut-être un habitat, il y a du monde. Simon ? Moi, je suis mi-fig, mi-raisin. C'est que je me dis... C'est bien qu'il y ait du monde, mais je ne sais pas qui sont ces gens. Et je me dis... J'ai un peu peur, tu sais, parce que comme j'ai regardé justement pas mal de trucs et tout à la télé, je me dis, j'ai peur qu'on soit sur une île sur laquelle on ne devrait pas être. D'accord. Tu vas perdre 1 en stabilité. D'accord. Wendy ? Au début, je me dis... Enfin, je m'interroge, je me dis, mais est-ce que c'est pas la fatigue, j'ai une hallucination auditive Est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu ? Est-ce que c'est pas encore un vaisseau, enfin un navire au loin qui fait... Je m'interroge. À la limite, j'attends de voir si ça dure longtemps ou si juste une fois. Juste une fois. Et en plus, je suis toute seule en train de ramasser des trucs. Donc je vais les ramasser et revenir vers les autres pour voir s'ils ont entendu aussi ça. Ok. Vous vous réunissez sur l'espèce de semi-campement en lisière de forêt Chacun ramenant. Wendy revient avec pas mal de choses que tu lui as demandé. Okay. Elle était efficace. Et Henri et Adam reviennent avec une espèce de bois sec et des petites brindilles pour faire un feu. Mm-hmm. Henri, il a essuyé ou pas le... Henri, il est pas bien. C'était, ouais. Okay. Henri, il a un problème. Non, ça va. Il perd pas mal de sang de la bouche. Henri, reposez-vous. On va. Oui, vous avez raison. Et puis s'assoit par terre, le dos contre un tronc.
Et vous avez entendu, il y a une sirène. Ah, vous avez entendu, vous aussi? Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des humains, il y a quelqu'un. On est sauvés, en fait. Faut trouver le bâtiment. Faut qu'on y aille doucement, délicatement. C'est peut-être une base militaire, on ne sait pas. Bah justement, s'il y a des militaires, on est sauvés. Il y a eu beaucoup d'essais militaires sur des îles isolées. On sait jamais. On ne voudrait pas qu'ils nous... Les militaires, hein, ils vous font disparaître en deux-deux. Mais non, mais nous mais cassez pas le moral. Mais oui, vous avez fait frayer le gamin. Non, mais en plus, moi, je suis un peu circonspect par que je... Mais non, écoute pas. Adam, c'est une super nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont nous protéger, ils auront des hélicoptères, des avions. Franchement, ça me réchauffe le cœur. Il faudrait faire un feu pour faire de la fumée, ils vont nous voir si on fait de la fumée. Ouais, ou tirer une fusée. Là, il pleut encore beaucoup. Hein. Non, on va garder nos fusées. Peut-être attendre qu'il arrête de pleuvoir, parce que le feu, ça va être compliqué. Hein, Je vais tester mon briquet, voir si... Alors, tu clac, 3-4 fois, rien qui sort, il y a du voix de petites étincelles. Cinquième fois, ça marche, mais ça crachote un petit peu. Effectivement, il est assez léger, ton briquet. Donc, on a des écorces, des brindilles, du bois sec. Le plus important, c'est qu'on se réchauffe, quoi. Donc, je vais essayer de faire un petit feu, quoi. Au moins, juste nous chauffer les mains, quoi. Ok. Tu sais qu'il... S'il est léger, c'est qu'il y a bientôt plus de gaz dedans. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'on... Je vois, on est tous en train de grelotter. Je vois comment il y a Amber qui est... Bon, elle a retrouvé de l'espoir, mais bon, j'ai bien vu que tout à l'heure, elle a craqué, quoi. Puis entre nous... On est tous fatigués, je pense. Amber doit avoir froid, je pense, parce que j'ai cru comprendre que, voilà, c'était léger. J'ai assez peu de vêtements. Donc, vous êtes en effet épuisés. Ceux qui n'ont pas mangé ont faim. Et tu allumes ton petit feu, comme ça, sous l'espèce d'abri en fait, et tu as la flamme comme ça que tu maintiens longtemps pour que ça prenne, et au moment où le feu se met, tu continues un petit peu, mais tu t'aperçois qu'il n'y a plus rien dans ton briquet. C'était sa dernière utilisation. Bah, je le prends et je le jette, quoi. Pourquoi est-ce que tu as acheté ton briquet? Bah, il est vide. Il est vide. Bah, mais il fonctionne encore, les étincelles, non? C'est pas ça qu'on utilise pour le feu? Non, c'est le gaz qu'il y a dedans. Ah. Oui, donc on va devoir conserver le feu, en fait. Est-ce que le feu prend, du coup? Oui. Ah, oui. Je suis super content, alors. Là, ça m'amuse, donc j'essaie de ramasser des brindilles, de le faire un peu partir. Ok. Wendy, vous avez trouvé un bâton suffisamment long et solide ou pas? Alors, t'as trouvé... je t'ai donné le bois flotté que t'as trouvé, là, de quoi faire un gourdin, une torche, mais t'as pas trouvé plus long. Ah bon? Quand je suis allé chercher, j'ai trouvé que des feuilles, en fait. En fait, c'est des lianes qu'il y a partout. Sinon, il faudrait aller à une grosse machette ou une hache, un arbre, quoi, parce que... Super manie. C'était pour faire quoi, le morceau de bois? Bah, je voudrais faire une lance, avec le couteau. Ou un harpon, un truc comme ça, pour essayer de récupérer des poissons. Bah, je lui montre... en fait, tout à l'heure, le coin où je suis allée, il y avait énormément de lianes, donc j'ai pu ramener que des grandes feuilles pour l'abri. Par contre, tout à l'heure, la mère a rejeté ça, donc je lui montre éventuellement le gourdin. Je sais pas si c'est ça qu'il vous faut. C'est peut-être un peu trop court. Ouais. C'est quand même une belle pièce. Hein. Ouais, mais je me dis c'est la forme évasée, tu vois. Sinon, on a la rame. C'est un bon gourdin, quoi. Ouais, mais je garde mes boîtes pour planter. Ah, pour planter. Sinon, on a la rame. Ah oui, sinon, c'est vrai. Ouais, mais toi, tu t'en sers pas pour... Bah non, mais si c'est pour qu'on se fasse de quoi pêcher, y a pas de problème. Okay. Je prends la rame et je la pète et je vais essayer de avec du scotch, des lianes et tout ça, d'attacher le couteau là-dessus. Je prends une ration. Ok. Je commence à avoir faim et je m'assois. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes épuisé en fait. Vous avez très peu dormi cette nuit. Tu rallumes ton téléphone pour savoir quelle heure il est? Bah non, là je lève les yeux, il fait nuit. Ah non, non, non. Non, il doit être 2h d'après-midi, quelque chose comme ça. Bah je sais pas, je me dis qu'il faudrait mettre des bûches, non, dans le feu. Je sais pas, quand j'ai vu des feux de cheminée. Je sais pas trop. Est-ce qu'on devrait pas mettre plus de feu? Je sais pas. Tu vois le gros gourdin qui est là, qui traîne. Ah bah je prends le gourdin, je le mets dans le feu. Ok. Je prends Adam. Je le vire, mais vraiment, tu sais, mais sans la moindre retenue. Et je me mets à pester tout ça et je prends le gourdin, j'essaye de le taper par terre, tu sais, pour essayer d'éteindre les quelques
Tu m'as violemment. Tu m'as projeté. Ah ouais, vraiment, ouais, je te. En jurant et tout ça, parce que. J'ouvre des grands yeux, je suis assez étonné, parce que depuis tout à l'heure, il fait son. Comme si c'était son grand frère, et puis en fait, il perd les... son sang-froid, quoi. Je suis vexé et humilié, donc je m'en vais. Je m'en vais dans la jungle. Ok, donc j'ai pas eu le temps de. Ah, si, tu peux. Si ça allait ou. Tu peux. Bah, tu m'as vu partir, tu penses que je pleurais. T'as entendu du chagrin, et je pars dans la forêt. T'as dans la jungle, pardon. Alors, je me tourne vers Simon. Je fais. C'est Simon, c'est votre prénom, c'est ça? Oui. Ça, je sais pas, vous avez un lien avec le gamin, là ou... Non, pourquoi il... Bah, depuis le début, je vous ai vu avec, donc je me suis dit que vous alliez en. Comment dire, être un adulte responsable, etc. Mais vous lui avez fait peur, là, vous venez de le balancer. Je sais pas, quoi. Si vous prenez la responsabilité de quelqu'un, vous le faites bien jusqu'au bout. Moi, je prends la responsabilité de quelqu'un, j'ai l'impression, mais bon. Ah oui, de violenter un gamin parce qu'il a fait une connerie, parce qu'il sait pas quoi faire, c'est bien pour vous. C'est ce qu'il faut faire. Et moi, je suis pas père. Je suis là pour qu'on survive. J'essaie de vous aider. J'essaie qu'on. Moi qu'on aussi, s'en sorte je suis là tous. Pour qu'on survive. Et d'ailleurs, c'est super, hein, l'abri que vous avez fait, mais vous savez, l'aspect psychologique, c'est important aussi. Donc, pas lui faire peur, pas balancer votre briquet devant lui, c'est genre des astuces, quoi. Ouais, écoutez, prochaine fois que j'aurai besoin d'un conseil, je vous demanderai. Et par contre, si le gamin, je l'ai vu partir ou pas? Ouais, je suis parti. Moi, je considère que mon nouvel objectif, c'est d'aller au bâtiment militaire dont il a parlé, où il y avait la sirène. Je pense que c'est ma meilleure solution. Tu pars après ouais, lui ou pas? Je prends, et bien sûr, je prends ma lance top moumoute, là, avec moi, et je fonce chercher le gamin. Ok. J'ai pas confiance, en fait. Ouais. Et puis en plus, je me dis, je vais rester avec la blonde et le vieux. Je le suis. Ok. Je suis parce que finalement au début je me dis ouais c'est un gentil puis en fait je sais pas trop là donc je le suis. D'accord. Amber tu fais quoi? Déjà je me tourne vers Henri. Il est dans quel état là? Il est en train de somnoler contre le tronc. Donc il est dans l'incapacité de partir. A priori oui. Je me sens vulnérable si je reste. Et en même temps, psychologiquement incapable de les laisser. Donc j'essaye quand même de demander à Henri s'il est capable de marcher. Je dors un peu. Il est auprès du feu, il craint rien. Bon, je me dis que c'est juste... moi je ne sais pas hein, ce qui s'est passé dans l'esprit de Adam, donc je me dis qu'il est peut-être parti bouder... à 10 mètres, donc je prends quand même un bout de bois, c'est un peu ridicule, mais un petit bout de bois où j'essaye de mettre un peu de feu, et je vais doucement dans la direction des autres, puisque je me dis, on va régler le problème, puis après on va aller dormir auprès du feu, quoi. Okay. La jungle, quand vous pénétrez à l'intérieur, elle est dense, très dense. Il y a des lianes, des plantes, beaucoup, il y a des pierres glissantes, il y a des ruisseaux qui passent, des grands arbres, masque de ciel qui rendent la progression très difficile, c'est-à-dire que vous vous perdez rapidement de vue quand en passant derrière un arbre, etc. C'est compliqué de se suivre à distance. Tout semble moisi et pourri à l'intérieur. Les arbres se fendent en deux pour vomir une résine rouge sang aux grouilles des bêtes. Le sol est détrempé. Des fois, lorsque votre pied s'enfonce, vous découvrez, alors que la mousse s'enfonce, des ossements, des cadavres de bêtes peut-être en décomposition, sous les feuilles. Il y a une odeur de mort omniprésente. Il est extrêmement difficile à vous de vous repérer. Amber, tu les perds de vue en fait rapidement, tu avances plus lentement, tu boitilles, mais tu entends du bruit derrière toi. Ah, je me retourne en me disant que c'est Henri. C'est Blondie. Il y a Blondie derrière toi. Il est à une 5-7 mètres. Et quand tu te retournes, il se cache derrière un arbre. Je suis terrorisé, je cours. Même si j'ai mal, je cours. Ok. Je cours en espérant retourner. Tu cries ou pas? Non. Tu cours juste. J'essaye d'aller dans la direction. D'accord. Des autres. Enfin, parce que j'imagine être la direction des autres. Tu entends comme si quelqu'un courait derrière toi. Tu es allé où, Adam? Moi, je vais dans la direction du son que j'avais entendu. Alors, c'est très difficile à définir. Adam suit la direction qu'il pense. Donc, je fais ce qui me semble naturel. Je suis vexé.
Voilà, c'est pas forcément une action très très réfléchie, donc je vais. Ok. Voir. Tu vois, au détour d'un arbre, il y a May qui sort comme ça. Je m'arrête, stupéfait. Elle pleure en fait. Elle s'approche de toi. Adam. Oui, mais. Elle te donne une amulette dorée sur laquelle il y a un Bouddha et des inscriptions en taille. Merci, mais. Tu dois porter l'amulette. Tu dois la mettre. Je la mets. Cache-la bien. Je la cache. Il faut pas que les morts puissent t'attaquer. Merci. Le garçon. Oui. Gan. Il est là. Il veut te faire du mal. Non, il était gentil, Gan. Je jouais avec lui. Méfie-toi. Méfie-toi. Et puis elle part. Elle part. Comment? Elle part. Elle. Je la suis. Part derrière un tronc. Il n'y a plus personne. Ben je pars dans la direction. D'accord. La nouvelle direction, c'est d'accord. Sa direction. D'accord. Donc toi, tu fais quoi, Simon? Moi, tu sais, donc je me. Un peu en mode Cro-Magnon, tu vois. Je suis avec ma lance à la main et tout. Je suis là et je fais. Adam! Adam! T'es où? Putain! Adam! Viens par là! Je suis désolé, mais viens! Viens! Faut qu'on reste ensemble! Tu entends un feulement. Sur ta droite. À une dizaine de mètres. Il y a des buissons, il y a de la végétation quoi. Il y a une pénombre en fait qui ambiante avec les gros nuages extérieurs. T'essaies d'identifier d'où ça vient, ça tu bouges plus, t'as stoppé. En fait, c'est que je me dis, tu sais, je pointe la lance en me disant, par miracle, si quelque chose devait me foncer dessus, peut-être que tu sais je. Donc t'entends ce feulement, je sais pas quelle bête c'est, hein. Mais c'est un gros bruit sourd. Comme un très fort ronronnement, tu vois. Et dans la pénombre, tu vois deux petits ronds luminescents. Et ainsi se termine L'île des morts, épisode 3.